Réaliser une rampe de skate en moins de 24 heures et pour seulement 80 euros. C'était simple ? Oui ? Ça va, Anthony ? C'est parti ! Bon, est-ce que vous vous souvenez de cette rampe-là ? Ouais, on est d'accord, vraiment pas ouf. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais la refaire en 24 heures avec mon père, mais cette fois-ci une vraie rampe de skate vraiment incroyable. Et les deux côtés cette fois-ci, et pas qu'un seul côté. Donc on passe directement à la construction. Let's go, c'est parti, let's go. Ok, donc c'est parti, on prend pour la rampe numéro 2. Mais cette fois-ci beaucoup mieux, on va pas avoir simplement un seul côté, mais deux côtés. Comme ça on va vraiment avoir une mini rampe. Attends, avant de continuer la vidéo, je te laisse dès maintenant mettre un petit pouce bleu et t'abonner si tu es nouveau, ça fait plaisir, merci. Let's go. Go. Donc là on fait juste cette partie là, c'est ça? Ouais. Celle-là on la fera après. Donc en gros la rampe elle sera de là à là-bas. Putain, ça paraît grand, hein. Ça paraît bien. Faut pas le faire trop raide, parce que toi t'avais fait trop raide, t'arrivais pas à monter dessus. Comme. Juste. Arrête. Allez là. Tiens-le. Oui, vas-y, tiens. Tiens-le. Non mais tu fais droit, hein. Non mais non, j'ai faire rectangulaire. Allez. Viens, je t'attaque, viens. Tu commences à avoir un trou dans la tête. Non, j'ai pas la calvitie, commence pas, arrête. Droit. Sans blague, un plat c'est droit, papa. Ça va pas être incliné. Ah bon? Non mais là le plat... T'es en train de te foutre de ma gueule là, non? Non. T'es fier de ce que tu fais? Ouais. Regarde, écoute-moi, papa. Oui, je veux une cabane, tu vois, là, la cabane, je la mettrai au-dessus. Ouais. Et bien sûr, pour y accéder, bah, je vais pas y accéder comme tout le monde à monter à une échelle ou quoi. Regarde, à ces fenêtres-là, là, y a une petite tyrolienne ou un truc qui me fait, hop, me téléporter là. Oui, bien sûr. Non, le pire, c'est que c'est vraiment pas une blague. Ouais, ouais. Vas-y, à partir de combien de likes, tu veux bien qu'on le fasse? Ah, c'était pas une blague? Non, vas-y. 5000. 5000 sous la vidéo? Ouais. Oh. Bah écoutez, s'il vous plaît, mettez vraiment les 5000 likes, partagez à fond cette vidéo, vraiment, abonnez-vous aussi, vous êtes toujours pas abonné. Et vraiment, comme ça, à 5000 likes. J'aurai une putain de cabane suspendue pour accéder. Je vais y accéder en tyrolienne. Bon, Anthony. Ou un truc de ouf, donc s'il vous plaît, mettez des likes. Oui. À peu près ça, c'est ça que tu. Regardez la marque du téléphone. Ouais, justement, ne regardez pas la marque du téléphone, s'il vous plaît. Regardez la marque du téléphone. D'ailleurs, dans les commentaires, dites si vous êtes plutôt team Samsung ou iPhone. Moi, personnellement, la question Samsung. Est vite répondue. Hein. J'ai pas de. Mais attends, c'est important. J'ai peut-être m'acheter un chat aussi pour mettre dans mon studio, je prends envie. Un petit mignon. Yeah. Et pourquoi j'achèterais pas une chatte? Oh là là. Papa, attends juste par contre, non mais le chat c'est vraiment pas une blague. Si je le nourris et qu'il reste dans mon studio, c'est bon. Ça fait comme si j'avais mon petit appartement en bas en vrai. Non. En vrai, je fais ce que je veux. Non. Un petit chat. T'as pas quitté la bonne. Oh merde. Ouais. C'est ça, ouais. Je peux ou pas un petit ouais, chat? Ouais, non, je t'ai dit. T'as pas une petite cheminée dans ce studio, ça pourrait être bien, non? Petit accueil, genre sympathique. Franchement, je sais pas qu'est-ce que je fous avec lui. Putain, mais t'es un con, pourquoi après je vais me couper le doigt? T'es une merde! Tu restes dans le jardin et tu bouges plus! Putain, il est vraiment abruti ce gosse. Je me suis vraiment fait mal là, par contre, c'est pas des lol. Y'a rien à foutre. Ah non, c'est pas une merde, je t'en fous aller à l'hôpital. Ah, il se fout de ma gueule, t'étais en train de foutre de ma gueule. Regarde là, on dirait que je suis brisé de Nice. On va surfer ou non? Ouais, on va surfer, ouais. Putain, maman, peut-être qu'elle la voudra, maman. Maman, tiens! Il y a un beau skate. Et là, là, le beau gosse, je suis sur mon skate, là. Je fais. T'es hyper drôle, t'as dit donc, t'as fait l'école du rêve, mon petit go. Mon petit go, j'ai fait l'action. Tu veux voir, là, comment c'est raide? C'est vrai que là, du coup, c'est beaucoup moins raide, c'est mieux. Il aime trop. Eh! Ah oui, ah oui, il est tout content, je dessine un pénis, voilà. Ah, papa, ah. Super, ouais! Ah, ouais, non, c'est bon. Oh, putain! Oh, putain! Putain! J'ai eu le syndrome de Gilles de la Tourette, tout est parti tout seul! J'ai rien fait! J'ai appuyé sur quoi? On a deux maintenant. C'est bon là? Ouais, c'est bon là. Je sais, c'est mon nom. Allez, vas-y. On va faire une ligne comme ça. Ah, ok, chef. Elle est chaude, touche pas. Bah, sans blague.
blague. Eh mec, j'ai fait un. Hein, j'en ai fait un derrière moi. Hein. Tu t'avais même pas chaud de ta couche. Ah! Bah sans blague. Eh mec, j'ai fait un. Hein, j'en ai fait un derrière moi. Putain, hein. C'est venu d'un coup! Et fais pas le con, Kaï. T'as pas l'impression que c'est moi qui fais tout? Je me donne à Aiden. Ah, c'était de la peine. Dans l'autre sens, tu vois pas que l'équerre est là, espèce d'idiot. Écoute papa, la première fois que tu me parles comme ça, t'as un magicien. Oh putain, t'es joli hein. Pas comme niaisé. Vas-y, allez. Vas-y, réflexe. Ouais. Attends, tu m'as lancé un truc aussi dur que ça, t'es sérieux là? Mais t'es cinglé ou quoi? Je t'ai lancé quand même. Non mais c'est un vrai pot de fleurs. Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir manger ce soir? Oh, peut-être de la soupe avec du pain, je sais pas. Comment? Tu vois qu'il y a un trait là? Je t'en train de penser au titre de la vidéo et tout ça là. Ah bon? Ah ouais, c'est dans ma tête là. Papa, attends, y'avait papy, tu vas pas lui foutre la poussière dans la gueule. Bon, j'ai l'impression que quand il y a papa, Anthony, c'est un peu plus organisé quand même. Franchement, ouais. Il y a plus de résultats. Ouais, c'est un peu mieux, mais niveau timing, par contre, c'est pas trop, un peu compliqué de travailler avec des personnes âgées. Et quand on veut quelque chose de bien. Je vais faire genre un peu que je travaille, tu vois. Mets pas le disque contre, parce que tu vas péter. Je bouge pas. Viens voir juste pour. Viens voir le disque, il est contre ou pas. On va pas mettre ça dans la vidéo, quand même, les insultes. Quelle insulte? Bah allez Anthony, dépêche-toi. Allez. Putain. T'as la pression là. Regarde, t'as fait quoi encore? Il part à Hawaï. Là on a fait cela. On a fait cela. C'est hyper détaillé. Ça c'est fait. T'es un dessinateur toi hein. T'es un dessinateur. Il est fort ton père là. Il est fort hein. J'avais pas plein la gueule. Franchement non. Voilà, nous sommes actuellement samedi, on avait commencé mercredi. Mercredi on avait travaillé combien de temps? 2 heures. Donc là on passe à l'assemblage. Fais pas le con hein, vas-y je t'en mets une. C'est ça. Ouais. Toute ma vie j'ai fait ça. On va assembler les deux rampes. Ouais. On va assembler les deux rampes. Tout l'avant on a un contreplaqué. Merci d'ailleurs à toi tonton sur la vidéo pour le contreplaqué, sinon on aurait dû aller l'acheter. Ça nous a fait ça au moins. On va travailler où? Là. Non là, on va sur le choix là-haut. Voilà, on pose par terre, non? Non, on pose en l'air. Parce qu'en fait, j'ai envie de venir des fois avec mon skate, hop, tap, et après on m'accroche sur la barre comme ça. Ah! Attends, il y a une araignée, c'est marrant. Quelle pédale celui-là? Ouais, je suis une pédale, ouais, alors j'assume. À aucun moment, est-ce que j'ai dit quelque part que j'étais viril, non? Casse-toi! Voilà, c'est toi. Ah, ça fait option. Ça fait option mitraillette aussi? Ouais. C'est très bien. Il me dit pas qu'il n'y a pas de vue après là-dessus, défonce. T'as dit quoi là, désolé? Ah ouais, Attends, la pression qu'il vient de me mettre, attends, redis-moi ce que tu viens de dire. 5000 likes! 5000. Ah ouais, mais là j'ai une pression de dingue là. Et aussi, on a calculé, on a eu pour à peu près 80 euros. Mais parce que ça, on a récupéré. Et si on n'avait pas récupéré, ça aurait été beaucoup plus cher. C'est bon, c'est fini là? Ah putain, mais ça merde. T'as dit quoi? Ça, tes petites mains. Arrête, ça fait mal, putain, t'es malade ou quoi? Je te jure que je vais te mettre une cartouche. Tu fais pas le con, Anthony? Je te vide la cartouche dessus, mon pote. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est bon. Attends, mais comment je vais faire pour couper après? Putain, tu sais que ça peut pas, ça part tout seul en plus. Oh, tu me clous la main sur le bois là? Ça serait énorme, tu serais comme ça.
Ça fait une bonne vidéo aussi. Trop de questions en tête, j'ai qu'un but, c'est de réussir sur YouTube. Les gens autour de moi me regardent d'un air désespéré. Eh bon là, regardez juste, vous avez vu la gueule que ça a là? Là, ça a rien à voir avec ce que j'avais fait au début. Ça va rendre trop bien. Ça fait vraiment depuis que j'ai commencé le skate, ça fait donc de 7 ans. Bon, j'en fais presque plus maintenant, mais vous savez que c'est toujours ma passion. Et du coup, ça fait depuis 7 ans que je rêve d'avoir un truc comme ça chez moi. Parce que j'adore les mini-rampes, c'est trop bien, c'est trop agréable. Je vais enfin l'avoir. Ça fait trop plaisir. Donc je vais m'amuser de ouf, ça va être trop bien. Malheureusement, c'est l'hiver, mais c'est pas grave. Moins de 24 heures, j'ai mis en titre, je pense, je sais pas, sûrement. C'est ce qui marche le plus sur YouTube. Je pense qu'on va mettre 5 heures en tout à la faire, à peu près. Donc franchement, voilà. En plus, ça fait 80€. Avec des trucs de la récup et 80€, franchement, ça fait vraiment pas cher la rampe. Bon, bien sûr, on va mettre le rail. Bon, il sera pas ici, on va le mettre ici. Du coup, il faut le couper. Donc là, regardez. Waouh, il a une dégaine. Mon dieu. T'aurais pu me prévenir, hein. Ah ouais, j'aurais pu niquer ton objectif. Non, mais c'est pas ça. J'ai reçu là, c'est la paupière. Eh, mais j'espère que t'en as pas mis sur l'objectif. Parce que ça colle, hein, ça brûle l'objectif. Ah bah, j'espère aussi. On est comme ça. C'est moi qui parie, c'est moi. Mais t'as là, mais t'as là où je me mets là, papa. Ici. C'est là, j'ai mon skate comme ça là ici. C'est là, j'y arriverai là. Ça arriverai, je fais. Non, regarde la figure qu'elle a la plus connue aux États-Unis, c'est celle-là. T'as rien, tu cours, tu fais. Il faut en mettre 4 alors. C'est moche. Eh, mais dis-moi juste, c'est quoi le problème? Il est pas droit. Ah. Il y a 2 cm de posé qui arrive. Oh là là. Anthony, dès que tu vas faire ça, tu vas me fixer ça après là. Change l'emboule. Anthony. Je me sens pas bien, moi, pas. Ah, mais t'es. Bon, ça y est, on vient enfin de finir la rampe. Du coup, je vais la montrer quelques petits plans cinématographiques avec de la musique. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, c'était grave cool. Et franchement, c'est la première fois que j'ai une rampe aussi bien. Bref, je vous montre ça. 3, 2, 1, let's go. La loi de l'attraction, quand je suis pas bien, je fais des tractions. J'ai le sourire, même au plus bas en tête, j'ai toujours ma passion. Je connais la loi de l'attraction. Le créateur de cette petite rampe. Ah. Alors, un commentaire pour la fin. Franchement, top des tops. Merci, papa, pour la rampe, elle est excellente. Lâchez un petit commentaire pour décrire sa prestation sur 10. Combien sur 10? Ouais. Combien sur 10? Bah justement, c'est eux qui vont dire dans les commentaires. Ah. Mettez-moi une bonne note les gars, parce que j'en ai chié. J'en ai chié. Papy a eu du mal hein. Papy a eu du mal. Oui. Là vous voyez, là c'est la défaite d'un mec qui a énormément le seum. Là vous attendez que ça, vous voir bah du coup je fais du skate dessus quoi. Ma voiture est au garage, mon skate est dans le coffre. Donc c'est comme si, je sais pas, vous avez une Ferrari, vous avez pas les clés. C'est pareil, parce qu'une rampe de skate c'est un rêve. Et j'ai pas mon skate sur moi. J'ai trop la haine là, je peux rien essayer là. Je viens d'avoir une frustration là. Bon bah on se retrouve demain pour le test final du coup. Puisque là du coup je ne peux pas tester. À demain la team. Bon du coup là on est le lendemain, j'ai dû attendre fin de soirée pour pouvoir tester la rampe parce qu'il a plu toute la journée. Attention, premier pas sur la... D'ailleurs la lune. Premier drop sur la mini. Première chute sur le bébé. C'est grave cool. Grave cool, je suis content. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quelle autre réalisation que vous voulez que je fasse avec mon père ou sans mon père. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, la team, n'oubliez pas. Prenez soin de vous. Ciao. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage grâce à mes finances. Je perds pas mon temps car j'ai besoin de mag.